Comment t'as fait? Bah j'ai travaillé. T'as terminé deuxième. Et alors, ça veut dire que j'ai, pour une fois, j'ai bien réussi? Qu'est-ce que je suis sûre que t'as triché. J'ai pas triché. Commencez pas, s'il vous plaît. T'es passé de 9 à 15. Sérieusement, c'est impossible. J'ai vous trouvé la bonne méthode, c'est tout. L'anti-sèche. Y a pas d'anti-sèche. Tu crois franchement que t'as profité de la première de la classe? Non, je dois vous laisser, moi j'ai un rendez-vous. Bon, allez. Pas à moi. Ok, bon, y a peut-être un truc. J'ai rencontré un gars qui s'appelle Antoine et il m'a montré tout le programme, m'a tout expliqué. Tu vois mon plan? Hé, Maline, c'est pour vous qui là? Tu prends mes affaires? Je t'ai rien pris. Tu m'as rien pris? Tu me prends pour un con là? Bah non. Tu me prends vraiment pour un idiot? Non. Mais arrêtez de vous embrouiller. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que j'ai? D'après toi, tu sais pas ce que j'ai. Bah non, comment tu veux que je le sache? Meuf, fais attention à ce que tu fais. Mais je t'ai rien fait. Est-ce que tu sais qui je suis? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Bah, t'es qui toi? Qu'est-ce qui se passe de quoi là? Je suis son ami. Y'a ta pote, elle m'a pris mon propre bonheur. Je lui ai rien dit. J'ai raté mon examen à cause d'elle. Tu lui as pris? Non, ne vous embrouillez pas. Et comment rien. Tu peux être sûr que c'est pas grave? Parce qu'elle me prend mes affaires tout le temps là. Pourquoi tu dis pas que c'est toi qui l'as pris? Eh, écoute, t'as 24 heures. Comment tu veux que je te le rende si je l'ai pas? Dis-lui à ta pote là, elle a 24 heures. Et comment tu t'as veux... entendu ou quoi? 24 heures pour. Tu m'en comme un con là. Oh, tu te calmes? Vous deux là? J'ai loupé mes partiels. Comment ça, t'as loupé mes partiels? J'ai loupé. C'est pas possible. T'es la meilleure élève du bahut. Ça, c'est ce que je veux faire croire. C'est fou. Je suis au bout, là. Je suis au bout. Si c'est une mauvaise passe, ça arrive, c'est pas grave. Même Laureline, elle a réussi. Et comment ça, Laureline, elle a réussi et pas toi? Il y a un mec qui l'a aidé, hein, Antoine. Il a expliqué tout le programme et tout. On va trouver qui c'est, ce Antoine. Puis on va lui demander. Il t'aidera aussi. S'il a pu l'aider, il peut t'aider toi aussi. J'espère. Ils vont penser quoi, mes parents? Je veux les rendre fiers. Je veux pas qu'ils s'inquiètent pour moi. Moi, je veux qu'ils soient fiers. Je veux qu'ils puissent le dire que je suis la meilleure. Pas qu'ils le croient. Je suis sûre qu'ils vont s'en rendre compte. C'est pas tes notes qui te définissent, t'inquiète pas. T'as pas besoin de ça, t'as pas besoin de cette partielle pour dire que t'es la meilleure. Ils le savent. Au final, on a besoin de moi, c'est ça? Redescends, c'est pas comme si on t'avait découvert un talent non plus. Hein. Ah, mais si c'est pour que tu réagisses comme ça, je te donne pas d'infos, moi. Hein. Non, non, mais elle rigole, t'inquiète. Du coup, Antoine, c'est ça? Oui. Il est là-bas. Regarde, c'est celui avec le t-shirt noir. Lequel, le black? Non, celui d'à côté. Attends. Y'a personne. Personne au t-shirt noir, il dit que le bug. Ah, il vient de partir. J'étais persuadée de l'avoir vu pourtant. Bon. Je sais pas. Écoutez, je vais essayer de voir. J'essaie de vous l'amener, mais. Un jour, je pourrais le voir en vrai. Je vais jamais y arriver. J'ai pas passé des heures et des heures sur ces fiches. Pour rien. C'est les rattrapages, je peux pas louper maintenant. Je vais louper mon semestre. C'est fini. Bah alors, mademoiselle, on manque d'inspiration. Y a plus d'encre dans le stylo. Et encore moins de neurones dans le cerveau. C'est dommage. Il vous reste 28 minutes. Mais qu'est-ce que je fais dans cette licence? Je suis nulle. Non, tu n'es pas nulle. Es-tu du genre à abandonner, à ne pas travailler? Je ne pense pas. Alors vas-y, bats-toi. La Compagnie des Indes. C'était la fiche 8. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans cette fiche? Ne lâche pas. Aie confiance en toi. Bon, allez. Voilà, c'est ça. 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini. Merci beaucoup. Rentrez chez vous. Bisous à vos parents. Mais où est Eva? À ton avis,
réussi. Intelligent, obligé. Bah, c'est sûr, c'est une bonne élève. Non, elle s'est peut-être remis à réviser. Ouais. Pourquoi elle réagit comme ça? Tu crois qu'elle nous entend? Elle a aucun avenir. Regarde-la, elle est complètement perdue. Tu vois, c'est ça. Donc du coup, ben, j'avais pas grand-chose à faire. Ben, y a déjà tout qui fonctionnait, en fait. En fait, je vous ai pas dit. Je pense que j'ai trouvé l'insta d'Antoine. Oh, oui. C'est celui-là. Oui, c'est ça. Ah ouais, c'est lui. Eh, hey, pas mal. Eh, hey, t'as vu? Moi, je l'avais genre. J'aime pas trop. Je comprends pas non plus. Bon, je pense que j'ai pas dû faire attention. Peut-être oui, c'est juste certainement. Blablabla, blablabla, blablabla. Vos noms, s'il vous plaît. Lee. Laureline. Abyss. Carole. Et vous avez autre chose à faire, peut-être, que de squatter ici? Bah, les parcelles, elles sont terminées, donc pour pas grand-chose, non? Le téléphone. Ça vous amuse? De quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est juste Instagram. Pourquoi vous regardez le compte d'Antoine? Parce que fallait que je leur montre qui m'aidait pour mes cours. Non. Elle savait pas c'était qui. Ouais, en plus il est grave sympa, il aide tout le monde. C'est pas possible. Bah, je peux vous l'assurer pour le coup. Non, c'est pas possible, il est parti. Déjà, vous le connaissez d'où? C'est mon petit frère. Petit frère? La bonne blague, vous vous ressemblez pas du tout. Regarde. Ah, ouais. C'est trop bizarre. Comment ça, parti? C'est pas possible qu'il soit parti. Il était déjà là, il était encore là la semaine dernière. Vu son caractère, c'est pas étonnant qu'il soit parti. Il est mort. Comment ça, il est mort? Non. Mais non, c'est pas possible, non? Si, si c'est possible. Antoine, il était gentil. Il était attentionné. Il était toujours là pour les autres et quand on est gentil dans ce monde, apparemment, c'est une bonne façon d'être harcelé. C'est une bonne façon de se faire avoir par les gens. Il aidait tout le monde. Absolument tout le monde. Il cachait tout. Il voulait pas que je sois triste, alors il me disait rien. J'ai rien vu. J'ai rien vu et maintenant il est mort. Harcelé, humilié, tout ce que vous voulez. Il méritait pas ça. Il méritait qu'on l'aime, qu'on l'aide. Il méritait que je sois là pour lui. Et moi, j'ai rien vu. J'ai rien vu. Puis un soir, je suis arrivée dans sa chambre et c'était trop tard. Pas un mot, pas une lettre. Il est parti. Je suis désolée. À cause de gens comme vous, finalement. Hein. On prend et on ne redonne jamais. Hein. C'est facile. Hein. Facile. Je suis désolée, je savais pas. Je m'en fous de vos excuses. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Je sais pas. C'est vraiment trop bizarre cette histoire. Je vous jure que vraiment c'est... Je l'ai vu. Mais moi aussi je l'ai vu il y a 5 minutes. On le croit ma belle. On te croit évidemment. Qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment des commentaires. On promet, je l'ai vu. Mais moi aussi hein. Mais on te croit ma belle. Tu es insipide, insignifiante. Tu sers à rien. T'accompliras jamais rien de ta vie. Personne ne voudra de toi. Abandonne. Tu seras jamais la première, mais toujours la dernière. Dégage. L'échec te colle à la peau. Elle passera jamais à l'entretien d'embauche. Hein. Y a personne qui voudra. Faut déjà qu'il passe son diplôme, vu comment il est con. Toi, faudrait déjà que t'aies ton diplôme. T'es complètement con, t'arriveras jamais à le valider.
Comme si elle, elle pourrait le valider, elle va voler comme les si profs. Toi, tu pouvais le faire. Tu voles les notes. Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Qu'elle triche. Tu triches. Constamment? Constamment, tout le temps. T'es pitoyable. T'es nul. Tu dis que tu l'aimes pas. Je t'aime pas. Je t'ai jamais aimé. T'as pas besoin d'elle. J'ai pas besoin de toi. Pourquoi t'aurais besoin de lui? Pourquoi est-ce que moi j'aurais besoin de toi? Parce que je serais largement mieux sans toi. Dis-lui d'aller se faire foutre, ça ira carrément plus vite. Va te faire foutre. Quelle petite merde. T'es qu'une petite merde. Et elle, c'est une connasse, c'est mon... une connasse. Non, t'en manque rien. Oui, non, mais qu'est-ce que vous faites là, vous deux? Antoine de service, ça va? Ça vous fait rire de les embrouiller, là, comme ça? Ouais. Donc, en fait, vous êtes fiers de briser la vie des gens, quoi, en fait? Ouais, là, je m'éclate, là. Tu trouves ça marrant de plomber la vie des gens qui ont peut-être une chance de réussir? Tu te prends pour un justicier, toi, maintenant? Briser la vie des gens, je vois pas en quoi c'est marrant, en fait. Non, mais t'es juste pitoyable et tu te fais chier. T'es mort, t'as rien à faire, et du coup, tu te dis... Oh, ouais. Non, c'est pas ça, mon truc, c'est juste que bon... Ouais, enfin, je t'ai vu aider des filles dans les salles de classe, hein. Non, c'est juste que moi, j'évite que les gens ratent leur vie, en fait. Si on leur donne l'envie, ils pourront faire ce qu'ils veulent, hein. S'ils sont aussi influençables que ça, fais-moi confiance qu'ils auront pas de futur. Ça, c'est ce que tu crois. Franchement, je comprends pas le concept de vouloir faire du mal forcément aux gens. C'est parce que vous avez vécu des choses qui... T'en sais rien de ce qu'on a vécu, d'accord? Tu vas pas parler de ce qu'on a vécu? Tu vas la fermer? Parce que t'en sais absolument rien. Toi, peut-être que tu t'es fait harceler une ou deux fois, mon pauvre petit chéri. Ok? T'en sais rien de ce qu'on a vécu. De toute façon, qu'est-ce que t'apporte à être ici? Barre-toi un moment, je sais pas. T'as bien compris que on n'a pas les mêmes points de vue? Pourquoi tu continues à t'emmerder, à essayer de nous convaincre comme que t'emmerdes les putains de vivants, à essayer de les convaincre avec des meilleures personnes, à réussir leur vie? Bon, écoute, c'était marrant. C'était très sympathique, très instructif. Mais on va se casser. Hein? On va te laisser cogiter. Je pense que c'est mieux. Tu deviens folle, je crois. Non, je t'entends partout. Non, tu deviens pas folle, non. Moi, je les vois. Tu vois qui? Je sais rien. Des fantômes, je suppose. Des fantômes? J'en sais rien, on m'a dit que quelqu'un était mort et après, je le revois, censé. On doit être les deux seules folles de l'université. C'est peut-être ça, ouais. J'ai peur, surtout. Excusez-moi, il faut qu'on vous dise quelque chose. Ça a pas l'air d'aller. Vas-y, dis. Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez des têtes d'enterrement, mes pauvres? Comment je peux vous dire ça? Et donc, tu les entends? Oui. Donc, tu les entends en mode Jeanne d'Arc? Et moi, je les vois. Genre, tu les vois en mode ils sont là, il y a. Tu vois qui? Tu vois les morts? Genre. Martin, derrière toi, Michael Jackson. Johnny Hallyday, Louis Funès, ils sont venus! Toujours plus. Tu veux peut-être faire un peu moins ce malin parce que de ce que j'entends, il y a le porte-bonheur de Yann dans ton sac. Hein? Faut jouer devant. C'est ton sac, ça? Oui. Oh putain, ouf. Tu déconnes là? C'était toi depuis le début? Ouais. Étrange dans ton quartier. Qui appelles-tu? Ghostbusters! C'est quelque chose de bizarre et que ça sent pas bon. Qui appelles-tu? Ghostbusters! Je n'ai pas peur des fantômes. Vous les avez énervés. Qui a fait ça?
Qui nous a fait apparaître aux yeux des vivants? C'est moi. Je savais que c'était toi. Vous allez continuer encore longtemps? Continuer quoi, ma princesse? À diffuser vos mauvaises énergies auprès d'eux? Vous êtes désespérant, dégoulinant de bonté et de bienveillance. Mais tout cela n'est que la surface des choses. Au tréfonds des âmes, il n'y a que malveillance et rancœur. C'est ça, en fait, le fond du problème. Vous pensez avoir échoué dans vos vies, et donc il faudrait que les autres en fassent de même. Vous pensez que vous valez mieux que nous? Vous pensez pouvoir vous racheter en aidant ces pauvres petits étudiants? Nous sommes les deux faces d'une même pièce. En fait, c'est toutes ces frustrations qui vous empêchent de passer vers l'au-delà. Plutôt que vous en prendre au vivant, mais regardez-vous. T'es méchant, toi! C'est incroyable d'être méchant comme ça! T'es une imbécile ridicule. Non mais je te permets pas! Tu t'es regardé, toi! Faire du mal aux gens! Ah bon, je suis morte? Ah oui. On va pas vous laisser faire. Rivalesco? Rivalesco, c'est du latin. Ça veut dire quoi, devenir vaillant? On va où là? Faut que je vous montre quelque chose. Ok, mais ça fait des plombes qu'on marche là. J'aimerais bien que vous montriez maintenant là. Encore un petit peu, on y est presque. Faites-moi confiance. On est presque où là? Y a rien à voir. Si, il y a quelque chose à voir. Ici. Bah, y'a rien. Faites-moi confiance, s'il vous plaît. Antoine? Tu me manques terriblement, ma sœur. Pour dire au revoir. Mais t'es là. Malheureusement, je
vais devoir repartir. Tu me manques terriblement, ma sœur. Adieu, petit frère. Merci.